4, j'avoue que j'ai eu ressenti le besoin de faire une petite pause du coup pour moi là le mois de janvier, histoire de vraiment me recentrer et de savoir un petit peu ce que je veux faire et où je veux amener la chaîne YouTube. Donc ça y est, je suis de retour. Là je suis en train de préparer mon sac parce que cet après-midi, dans 10 minutes, je m'en vais sur Paris. J'ai un drainage lymphatique dans un institut qui s'appelle Nouveau Monde, qui est situé dans le 1er arrondissement. C'est la première fois que je vais faire un drainage lymphatique. J'ai jamais testé, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Du coup, c'est vrai que quand l'institut m'a contacté pour me proposer que je teste un de leurs soins, j'avoue que tout de suite j'ai dit oui. En plus, franchement, l'institut il a l'air vraiment incroyable. Je vous mettrai tous les détails de toute manière en description, mais là du coup aujourd'hui moi je vais voir Léa parce que en fait si j'ai bien compris c'est un institut où il y a plusieurs praticiens et praticiennes avec chacun leur spécialité. Et donc moi là aujourd'hui je vais voir Léa qui est donc spécialisée en drainage lymphatique méthode Renata si je me trompe pas. Donc j'ai rendez-vous à 14h, là il est actuellement midi 22. Donc on va dire que comme j'ai à peu près une heure de trajet, il faut que je parte ouais, d'ici 10 minutes, le temps de trouver à me garer et ensuite de prendre le RER. Là je pense que vraiment ça va me faire un bien fou parce que ce matin j'ai fait un leg day mais d'une violence sans nom. C'est-à-dire que j'ai décidé de charger plus lourd sur toutes mes machines et je me suis réveillée en me disant mais tiens si on ne courait pas aujourd'hui alors que je déteste courir, vraiment j'ai horreur de ça. Donc voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé dans ma tête. Peut-être que c'était l'optique de me dire après je vais me faire un petit peu chouchouter, donc je peux être un peu violente le matin. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais enfin bref, toujours est-il que vraiment là j'ai trop hâte et ça va faire trop de bien. Une pression en fait. En fait, on les ouvre une première fois, ouais. Mais le fait d'appuyer à chaque fois, ça permet de... C'est comme si après, t'es pas tout le temps ouverte. D'accord. Donc d'ouvrir. Ok, ouais, ouais. Plus on va les activer, ouvrir comme ça, et plus ça va évacuer, ouais. En fait. Ok. Et puis, plus on fait, mieux c'est. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup pipi après un drainage. Ah. Ouais. Même pendant, si vous avez envie d'y aller pendant, n'hésitez pas. Puis bon, bah, on va éliminer tout ce qui est stocké, tout ce qui stagne et qui met trop de temps à s'évacuer en fait. Que ce soit mauvaise alimentation, médicaments, hormones aussi. Ouais. Quand on a un excès de cortisol, on est gonflé. Oui, la bébé. Donc le drainage, c'est très très bon pour ça. Ok. Faut juste que je tienne entre ici et chez moi. Oui, je comprends. Le stress du transport. Ouais, c'est ça. Faut essayer de repérer un petit peu où sont les toilettes. Dans les toilettes, ça ne pas. C'est incroyable ça. C'est vrai que franchement, enfin, sans dire d'en mettre dans tous les wagons, mais. Bah, c'est vrai qu'au moins un ou deux par train, quoi. Ouais, ça serait bien. Bah oui. Avant, il y en avait. Hein. Ah ouais? Enfin, moi je prends le Transilien pour rentrer chez moi, avant il y en avait. Maintenant il y a des nouvelles rames, il n'y a plus de toilettes. Ouais. Mais il y a des pays où il y a des toilettes publiques partout et ça se passe bien. Donc, bah oui. On pourra en avoir aussi. C'est clair. À Londres il y en a beaucoup. Au Japon il y en a partout. À chaque station. Mais je crois que le Japon ils ont une discipline que nous on n'aura jamais. Non. C'est pour ça aussi. C'est sûr. Mais j'y étais il n'y a pas très longtemps et je me suis dit, ah, ça change la vie de savoir où on peut faire pipi. Ouais, c'est sûr. À chaque station de métro, il y a des toilettes. Oh, mon rêve. Et puis, bah, propre. Oui, il y a un espace où des petits miroirs où vous pouvez vous asseoir pour vous maquiller. C'est incroyable. Ah, c'est vrai qu'on ne me dit plus là, si je dois trop. Ah oui, c'est ça, parce que là, typiquement, avant de venir, je me suis dit, bah, du coup, je bois pas d'infusion, parce que sinon, tu vas avoir envie de faire pipi pendant le trajet. C'est ça. Moi, je sais que j'essaie de repérer les magasins, par exemple, les grands magasins belles aux toilettes. Oui, c'est vrai. Faut les trouver, mais. Oui. Drainage du ventre, vous pouvez faire ça sans problème. Ok. Ouais. Il y a des mouvements particuliers. Bah, c'était toujours faire des vagues à ce niveau-là, ou même faire plus bas. En fait, les moyens font tout ça. Ok. Sont vraiment, enfin, ceux qui sont là sont liés à cela. D'accord, tout ça. Ouais. Et souvent, c'est soit massé dans le sens des aiguilles d'une montre,
Et puis ramener toujours en fait. Ouais, ramener vers les ganglions. Voilà, voilà. Donc moi j'en ramène une façon différente, mais vous pouvez le faire. Okay. Vous voyez pas, mais il y a Snow qui est en train de se repaître de mes doigts. Il a pris en fait l'habitude, quand il est tout seul en bas, de monter dans nos chambres. Et ça l'amuse beaucoup d'être dans mon lit. À chaque fois, il fait des petits bonds. Et visiblement, mes doigts sont un jeu absolument hilarant. Voilà. Donc si jamais vous l'entendez grogner, c'est pas très grave. Enfin, c'est normal, quoi. Mon soin était trop bien. Franchement, c'était absolument incroyable. Hyper relaxant. Je m'attendais, pour un drainage de la fatigue, à ce que ce soit quelque chose de très énergique. Je vais pas dire douloureux, mais limite, et en fait tout l'inverse, parce que oui c'est énergique, c'est des mouvements qui sont très très rapides, mais avec donc oui, je disais c'est des mouvements qui sont très rapides mais avec très peu de pression, donc du coup c'est vraiment super doux, c'est très relaxant. Je me suis endormie. Le soin aurait duré 5 minutes de plus. Je pense qu'il aurait fallu me secouer pour me réveiller, parce que vraiment j'étais partie mais très loin. Léa qui m'a fait du coup le drainage lymphatique est incroyable. Elle est super gentille, elle est super douce. J'ai rencontré aussi Noémie qui est du coup la dirigeante de l'institut. Et en fait c'est un institut que je trouve super intéressant parce que c'est des praticiens indépendants qui viennent, juste voilà, qui se regroupent. Et c'est vraiment une espèce de synergie du corps et de l'esprit. Et je trouve que enfin, vraiment l'approche est super sympa. Par contre, le trajet pour y aller... C'était un peu compliqué parce qu'en fait quand je suis partie il faisait du soleil. J'ai 10 minutes de trajet entre chez moi, l'endroit où je dois me garer, et au moment où je me gare et où je m'apprête à sortir de ma voiture, il pleut. Sauf que entre l'endroit où je me gare et vraiment la gare, il y a à peu près, allez, 10 minutes de marche. 10 minutes sous des trombes d'eau. Je suis arrivée à l'institut, j'avais mon jean qui était mais trempé, c'est-à-dire que je pouvais l'essorer. Quand j'étais dans le RER, j'essayais tant bien que mal de le décoller de mes jambes pour pas avoir trop froid. Donc heureusement, il y avait un radiateur qui carburait dans la salle où j'étais. Donc du coup, pendant toute la durée du soin, qui a duré d'ailleurs à peu près 1h15, 1h30, quelque chose comme ça, j'ai posé mon jean sur le radiateur. Léa, adorable, elle me l'a retourné à la moitié du soin pour être sûre qu'il soit sec. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Mais franchement, le déluge que je me suis pris à l'aller... En plus, au début, je voulais me garer à un endroit, il n'y avait pas de place, du coup j'ai dû aller à un autre endroit. Heureusement que j'avais prévu beaucoup plus large au niveau timing, parce que je pense que je m'en serais absolument jamais sortie. Snow se prend pour un chat, et en fait, c'est même pas qu'il grogne, il essaie de ronronner quand on lui gratouille les oreilles. Mais ça sort en fait comme des grognements. Du coup, on se disait, mais il nous grogne dessus, et en fait, non, il ronronne. Ce week-end, j'ai été voir le spectacle Black Legends, c'est au théâtre du 13e art, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est en fait une salle de spectacle qui se trouve dans Italie 2 à Paris. C'est un super show, franchement, c'était hyper entraînant et tout. En fait, c'est un spectacle qui retrace l'histoire des Afro-Américains depuis la période de l'esclavage jusqu'à Obama. Et en fait, c'est ça à travers la musique. La musique noire, la musique afro-américaine, et donc du coup on passe du Cotton Club à tout à la fin à Beyoncé, en passant par Michael Jackson, par Prince, par Aretha Franklin, enfin vraiment en fait toutes les stars comme ça afro-américaines. Et le spectacle est vraiment ouf. Le début, j'ai trouvé ça entre guillemets un peu long parce que c'est pas forcément du coup des musiques que je connais. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui prend aux tripes. C'est, on voit toute la galère qu'ont pu vivre les Afro-Américains et qui vivent encore d'ailleurs. Et en fait, comment ça a impacté la musique. Les chansons, elles sont chantées en live par des chanteurs qui sont absolument incroyables. Ils ont des voix ouf, franchement j'ai adoré. Il y a plein de moments où ils font lever tout le monde dans la salle, tout le monde danse et tout, la période disco, Beyoncé, les Jackson 5, enfin vraiment il y a plein d'artistes. Et ouais, les chanteurs et les danseurs qui sont sur scène sont incroyables aussi, vraiment c'est du vrai talent quoi. Si jamais ça vous dit d'aller le voir, ils ont dit qu'ils l'avaient prolongé, donc pas dans la même salle. Si j'ai bien compris, à partir du 8 mars, ils vont passer à Bobino
pendant un certain temps. Mais vraiment, ouais, gros. Regardez, j'ai un nouveau pyjama. Je l'ai trouvé sur le site de Uniqlo. Ça fait une éternité que je cherche un pyjama dans ce style là. Je crois qu'ils appellent ça des pyjamas de grand-père ou un truc comme ça. Et en fait moi c'est mes pyjamas préférés parce que je trouve que c'est à la fois c'est très confortable, c'est un petit peu chic et tout. Et là avec la luminosité on voit pas bien mais il est rayé rose. Et donc ouais, ça faisait une éternité que je cherchais un pyjama dans ce style là. Et en fait en général je trouve pas, parce qu'il y a toujours un problème au niveau des pantalons. Je trouve que la plupart, ils sont super inconfortables. C'est soit ils sont beaucoup trop larges au niveau de la taille et au niveau des hanches et des fesses, c'est super serré. Enfin, en fait, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et là, j'ai trouvé celui-là. J'ai deux pyjamas de chez Uniqlo déjà qui sont manches courtes et shorts de ce style-là, mais du coup, bah, en version été. Et là, ouais, quand je suis tombée sur celui-là, je me suis dit, bon, allez, je vais tester en sachant que... Je sais que de manière générale, il taille plutôt bien. Donc là, ça y est, je l'ai reçu, je l'ai lavé et tout. Et je suis trop contente, il est trop mignon. Je l'ai pris en rayé rose, mais il existe aussi en rayé bleu. Mais comme j'en avais déjà un en bleu, j'ai pris rose. En plus, le rose, c'est fancy, j'aime bien. Ce matin, c'était littéralement Noël. J'ai reçu plusieurs colis. Donc j'en ai reçu un de chez L'Occitane. Donc c'est des choses que j'avais moi commandées. Et j'ai reçu aussi un petit colis de chez Rodial. Donc ça, c'est eux qui me l'ont envoyé directement. Et en fait, si jamais vous aviez vu... Je sais plus quand c'était, mais j'avais fait un vlog où j'avais été à leur événement pour leur lancement aux Galeries Lafayette. Et là, ils m'avaient dit, bah tiens, pour les fêtes, fais-nous une petite sélection de ce que t'aimerais recevoir et on te les enverra. Donc j'avais voulu tester leur nouvelle crème. Donc là, celle-ci, c'est une crème soufflée à la vitamine C. En ce moment, je suis à fond dans la vitamine C. Je veux vraiment avoir un maximum d'éclat, surtout avec l'hiver. Enfin, j'ai tendance à avoir le teint qui ternit un petit peu. Donc plein de vitamine C, ça fait du bien. Je leur avais demandé aussi un restock des SPF Drops, parce que en fait c'est la crème solaire que j'utilise sur mon visage absolument tous les jours. Elle est géniale cette crème, elle fait pas de fini blanc, elle fait pas de fini gras, c'est vraiment mes préférés, elle est pas comédogène non plus. Et du coup ouais, je leur avais demandé un petit restock. Ils m'ont aussi renvoyé des patchs pour les yeux qui sont absolument géniaux. Le truc c'est qu'ils sont super chers, donc du coup je les garde précieusement pour des événements particuliers. Et ils m'ont envoyé aussi une de leurs nouveautés, c'est une huile pour les lèvres. Alors si vous jamais vous me suivez sur Instagram ou sur TikTok, je pense que vous commencez à savoir que j'ai une obsession certaine pour les huiles à lèvres. Et donc celle-ci c'est une petite huile, elle est un petit peu rosée, et autant je trouve que toute seule elle est un peu claire pour mes lèvres. Par contre, par-dessus un rouge à lèvres, ça fait un petit effet un peu sympa. Ou même en fait tout seul, mais genre pour un look vraiment hyper naturel. Et elle est super hydratante. Ça reste sur les lèvres pendant des heures et elle est vraiment pas mal. Et donc ça, c'est ce que moi j'ai commandé sur le site de L'Occitane. Donc en fait à la base, j'ai passé une commande parce que je voulais un restock de ma petite brume d'oreiller. Là, elle sent super bon. J'aime trop aller en pchiter quand je vais me coucher ou même le matin. Quand je viens de refaire mon lit, ça fait une petite odeur qui est super sympa. Et en fait c'est une brume qui est très relaxante, genre il y a de la lavande dedans et tout. Donc à la base je voulais juste ça. Et puis au final je me suis un petit peu laissée avoir. J'ai vu qu'ils avaient une huile pour les cheveux. Donc c'est celle-ci, elle est infusée, dedans il y a des petits pétales de fleurs. Et comme je suis à court d'huile pour les cheveux, du coup je me suis dit bah autant en reprendre. Et comme de manière générale j'adore les produits L'Occitane, mais en particulier leurs produits capillaires, je me suis dit allez on va tester. Dans la continuité des produits capillaires, j'ai voulu aussi prendre cette espèce de pâte. En fait c'est une pâte coiffante qui se présente comme ça, donc je l'ai déjà un petit peu utilisée là ce matin pour faire une petite coiffure. Et en fait ouais c'est une pâte coiffante mais qui en même temps hydrate bien les cheveux. Donc à voir comment ça évolue. Et puis après en cadeau ils m'ont mis deux petites crèmes pour les mains. Et rien que ça j'étais contente parce que leur crème pour les mains c'est mes préférées. Celle-ci je l'ai dans mon sac et j'en ai une à la maison. Et celle-ci je l'ai un petit peu partout dans la maison aussi, donc très contente. Je suis en train de lire le tome 4 de la saga The Vicious Lost Boys. En fait, c'est une espèce de revisite très adulte, très spicy
un peu vulgaire aussi du mythe de Peter Pan et Wendy. Et j'avais lu le premier tome et je m'étais dit, oh là, j'aime pas du tout, c'est trop 18+, de manière complètement inutile, c'est vulgaire. Et en fait, au moment, j'avais pris l'abonnement Kindle d'essai, donc gratuit, et je me suis rendu compte que avec l'abonnement Kindle, je pouvais avoir le tome 2, le tome 3 et le tome 4 en anglais, du coup sans payer. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais essayer le tome 2. Peut-être qu'en anglais ça passe mieux, peut-être que c'était juste le tome 1 qui était vraiment très, très spicy de manière complètement inutile. Bon, au final c'est toujours autant spicy, mais on va dire que c'est beaucoup moins et c'est moins random en fait. Donc j'ai lu le tome 2, je me suis dit bon ok, c'est pas mal, il se passe quand même un peu plus de choses intéressantes. Comme je savais pas quoi lire encore après, j'ai continué avec le tome 3. J'ai vraiment bien aimé le tome 3, je l'ai lu en une après-midi à peu près. Et donc là, je suis à peu près la moitié du tome 4. Donc c'est le tout dernier tome de la saga. Et pour le coup, je suis assez contente d'avoir continué à lire toute la série. Parce que là, le tome 4, il est vraiment super intéressant. Genre là, ouais, je suis à la moitié et j'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer après, comment ils vont s'en sortir. Il y a plein de péripéties. Il y a beaucoup moins de scènes justement 18+, on va dire, parce que en fait l'idée du truc, enfin le fond, c'est une sorte de harem inversé où du coup il y a une descendante de Wendy qui se retrouve au pays imaginaire avec Peter Pan et les garçons perdus. Donc du coup on va dire qu'elle mange un peu à tous les râteliers, mais là ouais, le tome 4 est franchement intéressant. Du coup je vais terminer ce vlog là-dessus, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Pareil, si jamais vous voulez partager par exemple sur Instagram, en story, etc, n'hésitez pas à me taguer, comme ça je peux aller vous remercier personnellement. Moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.